Eh les amis, voilà, on se retrouve dans F1 2020. Donc, on est toujours en mode carrière avec la Aston Martin Red Bull. On est deuxième pilote de l'écurie, pardon. Donc là, on va poursuivre la carrière pilote. On est en Autriche, 11e course. Donc, moi, j'irai partir tout de suite pour les essais libres, la qualif et bien sûr la course. On y va, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le premier essai libre de Autriche. Donc moi j'irai partir tout de suite et voir ce que ça va dire. En plus il pleut, il fait mauvais. Je sais pas comment ça va se donner, mais on va voir. C'est parti les amis. Je fais tellement de courses que je me souviens plus si la course là j'aimais bien. Et puis je pense qu'en Autriche il pleut souvent. Je pense que la course j'aime bien. Mais sur la pluie ça va être la merde. Je pense, je suis pas sûr. On va voir ça tout de suite. Bon, jusque maintenant, c'est le top du top. On est chaud comme la braise de printemps, même s'il fait hiver en Autriche. On est les printaniers de l'hiver. Arrête-toi, vas-y, descends, va boire un café avec les gens qui font attention à la route. C'est quoi cette chose? Comment elle s'arrêtait la voiture? C'est du n'importe quoi, voyons. Bon. On a foiré. Wow, comme elle glisse la voiture. Oui. On aime bien quand ça fait ça. On aime bien quand ça fait ça. Mais je fais bien patiner la voiture en tout cas. Elle patine comme il faut, hein. Alors ça dit quoi? Ça dit quoi? On est dixième. Premier. On va voir ce que ça dit. Quel placement on a fait. J'espère qu'on a fait un bon placement en tout cas. Pour ses essais libres, pardon. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on est. Ça dit qu'on est dernier. Ah non, ça va. 15e. Wow, première fois qu'on est essai libre, on n'arrive pas dernier. C'est bien. Ça promet bien, ça promet bien. Donc les amis, on se retrouve pour les qualifications. Alors, en essai libre, on est arrivé 15e, le premier essai libre. Les deux autres, je les ai simulés. On a fait beaucoup de points d'expérience, c'est pas mal. Donc c'est qu'on s'est bien placé sur le classement pour les deux autres, même en simulé, pardon. Donc ici, il fait 33 degrés le circuit, 22 degrés R. Je dis, il y a du soleil, il y a des nanas, nanana. Bon, soit. Allez, c'est parti pour les qualifs, c'est parti. Ah là là, moi, mes conneries. Je sens qu'on va faire un de ces cartons ici. Vous allez même pas comprendre. Je vais tout exploser sur ce circuit. C'est vraiment le style de circuit que j'adore. En pluie, on a bien géré la chose, mais en sec. Madame le sec ici, elle va cartonner, vous allez voir. Fais-moi rêver avec cette voiture de feu. Parce que cette course, c'est la nôtre. En même temps, on joue à la maison, les amis. Vu que Red Bull, c'est allemand. C'est autrichien. C'est notre parcours, ça. On est obligé à faire du bon. Waouh! Waouh! Allez, fonce, Gaston! Wow! Fonce, mon Gaston! Non, il m'a dépassé! Merde! Troisième! Bah, c'est déjà bien, mais bon, on était premier, quoi. Fais chier. J'ai foiré le dernier tournant, là. Les qualifications viennent de En se course, il faut que je terminer. fasse attention au Revoyez qui sont les dernier propres. tournant. Bottas, Bon, ça va, on Verstappen, est troisième. Leclerc. Il est déjà temps de se quitter. Qu'est-ce Les qu'il a eu, enfants, dès demain, pour Hamilton? une course qui s'annonce Waouh! passionnante. Alors, soyez au Il n'aime pas rendez-vous. la course, On compte là? sur vous.
Bon, les amis, on se retrouve sur cette piste magnifique, rapide. Franchement, c'est un de mes grands prix préférés. Parce qu'il n'est pas super compliqué, déjà, voilà. Et aussi parce qu'il est super rapide, comme on j'aime bien. Et aussi parce que c'est la piste de Red Bull. Voici l'un des circuits les plus rapides, étroits à gauche. Voilà. Je pense que, vu que Red Bull, c'est allemand... Vu que Red Bull, c'est autrichien, pardon. Et que notre voiture, c'est Aston Martin Red Bull. Nos essais, on les fait sur cette piste. Donc, c'est une piste qui est très ancienne. Mais qui a toujours son charme. Comme je dis, hyper rapide et technique au point qu'il faut. Franchement, je sens qu'on va faire un bon départ. On est troisième, on va voir. On va voir le classement. Ouais, mais j'ai failli le battre, malheureusement. Je l'ai pas battu. Oui, on est là, on est troisième. Hamilton sixième, c'est pas normal ça par contre. Vettel, Ocon, Nick De Vries et Magnussen. Grosjean, Pérez, George Russell et Alexander Albon, Latifi et pour finir Kimi Raikkonen en queue de peloton. Lequel de ces combats d'habitude grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Et dire qu'il se battait pour gagner le championnat il y a quelques années, là il est toujours dernier. Ok, on y va. C'est parti les amis, je suis chaud comme la braise. On va gagner. Je sens qu'on va faire du bon. Wow, quel départ de fou. Ouh, quel départ de fou. Ouh, quel départ de fou. Allez, vous faire fou. Allez, c'est parti, les amis. Je sens qu'on va faire une course de ouf. On est chaud comme la braise. Écoutez le vent. Écoutez la braise de printemps qui tape sur vos visages. Pendant que vous me voyez courir sur cette piste inadéquate pour tous ceux qui sont derrière moi. Car elle est adéquate pour moi, tout simplement. Ah, qu'est-ce que ça serait bien de gagner. Il faut pas que je regarde trop derrière, parce que sinon je vais aller me péter la face. Oui, c'est bon. C'est bon. On est chaud. Plus chaud que ça, on crève, hein, les amis, franchement. Hein. Si je freine pas, je me casse la face. Oui, je me suis pété le doigt, mais c'est pas grave. Ah, je me suis fait mal au doigt. J'ai pressé comme un malade dans l'analogique. La voiture, elle fait un bruit bizarre. Je ne sais pas si c'est normal. J'ai vraiment le tournant là qui m'énerve, qui me déseste à chaque fois. Qui me dégoûte même. Mais nous, on est chaud. On l'a bien pris cette fois. Les amis, j'espère que je puisse vous apporter une victoire aujourd'hui. Dans ce Grand Prix d'Autriche, qui est vraiment à ma portée. Si les circuits pourraient tous être comme ça, franchement, ça serait vraiment le top. Waouh, j'ai failli la me tuer. Allez, encore un tour plus rapide. Merci. Allez. Ils sont toujours derrière moi, les gens. Hein. Ils me lâchent pas d'une semelle. Hein. Bordel de neige. C'est bien. Bien pris le tournant. Il faut que je reste concentré. J'ai l'adrénaline à 2000, les amis. Vous savez comment? Vous savez pas comment? C'est un jeu, je sais bien, mais vous savez bien, les jeux, des fois, ça vous met vraiment dans l'ambiance et dans le stress. Et pour ceux qui aiment bien la Formule 1, vous savez bien l'adrénaline qu'il peut avoir dans ce jeu, dans ce sport déjà. Oui, on s'en fout si on fait un peu de rature.
sous les tournants. Great work. That's a new fastest lap of the race. Ok. Encore un tour rapide, c'est bien. Oh là 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 là. Encore un tour, ce tour-là et un autre, c'est bon. Bon, celui-là, cette fois, on ne l'a pas très bien pris, mais bon, c'est déjà ça. Pourquoi je coupe les virages? C'est pas possible, quand même. Vas-y, vas-y, vas-y. Faut pas perdre de temps. Oui. Bien joué. Oui. C'est bon, dernier tour, allez. On a 2 secondes 7, presque 3. Oui, je sais. Mais j'ai fait couper encore une fois le virage là. On est chaud comme la presse, les amis. On peut y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vas-y. On a géré l'enroule là. Oh les amis. Est-ce que je vais être content quand cette course sera terminée? Surtout que j'ai envie de vous apporter une victoire. Allez, dernier tournant. Avant-dernier, pardon. Wow. Wow. Oui. On a gagné. On a gagné. Aujourd'hui, franchement, le top du top. Franchement. J'ai adoré cette course. Et franchement, si on puisse faire des courses comme ça tout le temps, aussi bien maîtrisées, franchement, ça serait terrible. Merci, merci. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de... Oh, enfin, les amis. Oh, enfin, on est premier. A grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important, c'est sûr, mais bon. On a tenu un rythme constant, ça c'est sûr. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Pilote du jour, Raikkonen. Comment ça se fait? Mais ouais, victoire pour l'écurie Red Bull. Enfin. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Mais oui, on est bon, on est bon, on est bon. On commence à connaître la voiture et on commence à aller de plus en plus. Alors, classement ici, classement. L'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Qu'est-ce qu'il a fait? Hamilton, il est resté. Oh, il a perdu une place. Raikkonen, 14e. Ça va, c'est pour ça. Après cette incroyable course, classement. Le pilote du jour, Nicolas Martin. Je vote 4e place, les amis. 4e. 4e place. Très bien géré le trafic. Passons à présent au constructeur. Franchement, on devient chaud là, les amis. On devient chaud vraiment. Et classement. Classement constructeur. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont... Toujours deuxième. On a récupéré beaucoup de points sur la Mercedes. Donc voilà. Ah, je suis vraiment content. En tout cas les amis, j'espère que vous avez aimé cette course. Moi j'ai adoré, franchement je suis heureux de vous avoir apporté enfin une victoire. Surtout sur une course que j'adore. Donc merci beaucoup pour avoir suivi cet épisode, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, enclenchez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette course, un grand merci pour tout, à très bientôt, et vous êtes les meilleurs, merci, ciao ciao.